comme ça là. Ah mais il est à l'envers, ok. J'en soulève un deux spi, je le... Ok. Ça limite un peu le truc quoi. Moi j'ai un pote qui m'avait dit une phrase qui m'avait marqué, il m'avait dit putain ça paraît beaucoup plus petit que sur internet, il m'avait dit comme tout ce qu'on essaye de nous vendre. Ah ouais frère. À méditer. Si si le capitalisme, pour tous mes gars. Celui que j'ai plus écouté de l'album c'est quoi? Après la sortie de l'album. Je sais pas. Neiges éternelles. Ah ouais, j'ai écouté que ça. Ah au final ouais, je suis d'accord, ils sont là sur la ouais. Durée. Vraiment fluide. En fait, c'est des petits singles de morceaux d'album. C'est des morceaux ouais. D'album, mais ils sont sympas en fait. Et des petits easter eggs à la fin là, il m'a fait saliver. Ah ouais, bah c'est pour la réelle ça. Ouais, bah c'est bien ce que je dis. Beaucoup de retours hyper similaires entre eux. Genre, la plupart des gens me disent la même chose sans s'être concertés. Ça, c'est hyper troublant. Ouais, t'as les titres qui reviennent, genre par amour. Les titres, mais genre, c'est souvent un long message. Les gens qui m'écrivent, c'est souvent un long message, c'est pas genre 4 lignes. C'est souvent intense, c'est souvent. Ils me rassurent, genre. Ils me disent en mode. Qu'est-ce que tu fous derrière moi, toi? Bon, j'attends qu'il. Non, mais là, c'est bon, tu es 10 heures, celui-là. C'est bon, frère? 2 secondes. T'as une petite tête quand même aujourd'hui, hein, frère. Fatigué. Remets-le là bien dans l'ordre. Mais c'est pas clair, de toute façon. Ah, si, il y a des numéros. Enfin, c'est vrai que si tu sais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est pas clair. Tu m'as l'air d'être fatigué. T'as fait quoi cette nuit? Ta gueule. Ta gueule, carrément, quoi. Ça sort des insultes. Là, quand il n'y a pas de répartie, c'est qu'il y a un loup. J'ai pas envie de parler, j'ai pas besoin de me justifier, rien du tout. Lundi de Pâques. Vas-y, bon, on commence, je vais commencer. Eh bien, nous allons donc y aller. Et toi, Fred, comment vas-tu? Écoute, pas trop mal, hein. Ouais. Pas trop mal, comme un lundi de Pâques. Ouais, c'est vrai. T'as pas prévu de week-end, du coup, là, malheureusement, t'es obligé de voir ma tête, malheureusement. Je suis obligé de voir ta tête, mais c'est pas désagréable. Non, bah écoute, ça va. Ça va. Sache que cette moustache aussi me sciait, me va ravir. C'est un plaisir de t'avoir. Bon, merci. Moi aussi, je suis très content d'être là. De retour. Putain, c'était quand le dernier déjà? C'était en 2019, tu sais, on était tout en blanc. Ouais, on était tout. On t'avait donné du merch, tu remarques que le budget est un peu serré cette année. Cette année, je crois qu'il y a eu un problème sur le budget. Aïe, on a laissé juste le basique, le studio. Je sais pas ce qui s'est passé, putain. Non, j'avoue. La musique, c'est compliqué, non? Ça va vite, dans les deux sens. Ça va trop vite. Voilà, c'est un beau projet, franchement. Merci. Là, le mashup, il fait plaisir. Il nous emmène un peu dans tous les endroits. Là. T'as vu ce calme, cette sérénité? Un couloir désert. Un autre couloir. Ah si, viens voir, papy, viens voir, papy. Ça, c'est notre guetteur. Notre gars sûr. Ah va! Allez Fred, on y va! Il est pas encore tout à fait au point sur. Il est en formation. Encore tout à fait au point, mais il pourra bientôt guetter près de chez vous. Les guetteurs, c'est des cités, là. Il est là, il tient le pavé depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il tient le pavé, regarde. Hein? Depuis 30 ans, tu tiens le pavé. Qui? Toi? 30 ans, tu gardes la cage d'escalier. Bah oui, tu gardes l'immeuble, mec. Ça fait 20 ans que je garde le truc là. Eh, c'est moi, même pas. Ça, c'est un guetteur de premier choix, ça. Guetteur de premier choix en formation un peu, mais. Formation, moi je suis en formation. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu parles à un ancien. Respecte pas. Les ruelles sont vides et la lune est pleine. La ville se remplit de folie humaine. Ce soir, qu'un cauchemar, je n'aurai plus jamais peur du lampadaire éteint. Éteignez la lumière. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Bon bah c'est super, merci à toutes d'avoir répondu présent, je suis tellement heureux. C'est super en fait. Mais let's go. En vrai, c'est la session que j'attends le plus en vrai. Pour y arriver, il faut que je m'autorise autour les vautours, comme en cautérise et je me lobotomise, mais les doutes reviennent en roue arrière. À croire que mes peines sont motorisées, à partir de motorisées. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, jamais assez, jamais assez. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, jamais assez. Et encore, moi j'ai même pas le son, mais déjà là, il y a un truc de magie qui se passe. Sans le son dans les. Ouais, j'ai pas le retour. J'ai pas vécu le moment là, j'ai pas le retour. C'était vachement bien. Bon, Tommy. Mais là, même sans le retour. Avec ma collègue, on était là en train de regarder là derrière. Chiant, mais. Même là, tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Mais ça tue, mais merci de rendre ça possible, je sais que c'est un peu complexe, merci de laisser ton micro. Bah d'ailleurs, semaine prochaine, tu fais un truc ou pas? Justement, je pensais à toi. C'est où la caserne? C'est dans le 10ème, c'est un incubateur de talent, c'est hyper cool ce lieu. Ah, c'est une ancienne caserne de pompiers. Non, non, mais en vrai, si tu veux passer, t'es déjà dedans. C'était bien la dernière fois qu'on était dans une caserne, c'était une bonne soirée. Ça reste entre vous. Et lui, il filme ce con là. On apprenait à faire du bouche à bouche.
et à sauver des vies, et à mettre les gens en PLS. Bon alors on l'a fait d'une manière assez tardive, très tard ce soir-là, mais l'important c'est de savoir comment maintenant on peut sauver quelqu'un en l'espace de quelques minutes. Quelqu'un, tu as Lord Esperanza, malaise dans le studio, je sais, bim, les gestes qui sauvent. C'est pour ça qu'on travaille en permanence, nuit et jour.